Oui, aujourd'hui nous attendons la sculpture de Nominoé, faite par Marc Simon, qui fait plus de 4 mètres de haut. Elle arrive là dans un quart d'heure, 20 minutes, par camion de l'entreprise où elle a été réalisée par Marc. Et oui, ça fait un an que la commande a eu lieu. Et là, aujourd'hui, 19 juillet, beau soleil. C'est une journée parfaite pour recevoir la sculpture qu'on va installer bientôt là. Pourquoi Nominoé ici sur le terrain de Saint-Aubin-du-Corps? Alors c'est pas Nominoé particulièrement parce qu'on a l'intention de faire tous les rois, tous les ducs importants, puisqu'ici c'est un parc de sculptures mémorial sur la défaite de Saint-Aubin-du-Cormier. Pour nous c'est symbolique de parler de notre histoire. Elle est malheureusement pas forcément très bien développée en Bretagne, ni dans l'éducation nationale bien sûr, ni dans les musées qui souvent oublient de parler de la Bretagne ducale, royale et ducale indépendante du Moyen-Âge, quoi. Et donc il y a très peu de musées, à part quelques musées privés peut-être, qui parlent de tout ça. Donc nous on le fait gentiment, avec nos petits moyens. Et une sculpture de temps en temps va venir agrémenter le parc de sculpture. Les prochaines après Nominoé, ce sera Erispoé, Salomon, Jean IV, Barbe-Torte, enfin voilà, on est parti quoi. Ok, donc c'est un peu l'alpha et l'oméga. Oui, Nominoé ici, c'est Nominoé qui est le Tadarvro, le père de la patrie qui a unifié la Bretagne et gagné contre Charles le Chauve. L'ériger ici, là où on a perdu contre Charles VIII, c'est un petit clin d'œil à l'histoire. C'est comme tu dis l'alpha et l'oméga qui se rejoignent, le point de départ sur le point d'arrivée. Bon, l'histoire n'est jamais écrite et finie, et on ne sait jamais dans les rebondissements futurs, mais l'histoire médiévale, effectivement, commence de la Bretagne indépendante, commence avec... Nominoé, peut-être on peut parler de son père, le roi Morvan, et finit avec Anne de Bretagne et François II, quoi, voilà. Et Louis XII, parlons de Louis XII, qui s'est battu à pied côté breton et qui sera le deuxième mari d'Anne de Bretagne et qui aura un traité de droit international avec Anne favorable à l'indépendance. Toujours en vigueur, puisque jamais contredit, actuellement, de fait, la Bretagne est toujours indépendante, mais elle ne le sait pas. Louis XII qui a été enfermé ici à Saint-Aubin-du-Cormier. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc le futur roi de France s'est battu côté breton à pied, c'est incroyable, mais c'est ainsi. Ici où nous sommes, il était là. Voilà. C'était le duc d'Orléans à l'époque. Comme moi, allongé, j'ai l'impression d'être plus grand par contre. Alors là, on va installer la sculpture. Bon, d'abord, on va faire quelques manœuvres pour la mettre debout. C'est simple, mais difficile à réaliser. Et une fois qu'elle sera debout, on la mettra ici et je demande à Marc-André de mettre une pièce... on va mettre une pièce d'€1 irlandaise. Voilà, c'est... on enfouit un trésor. Celui qui veut récupérer le trésor spirituel, il faut qu'il soulève la pierre. Merci. Attendez, je vais voir... Voilà. On va rester là 3000 ans ? Le plus longtemps possible. Non, non. Oh très peu dormi, je savais que j'allais peu dormir. À 3 h du matin, ça aurait été possible, je serais venu ici l'implanter, je me sentais bien. Le plus difficile, c'était de la lever. Donc quand elle a été levée, ensuite il a suffi de la soulever, de la présenter sur son socle. Donc le plus dur était fait et là, ça rentrait pas. Donc on a trouvé une solution. Je suis content quelque part qu'il y ait eu un petit événement parce que ça nous a quand même pris 1 heure de rectifier le tir. Et bon, ça crée un souvenir, c'est pas si simple que ça, c'est 10 tonnes, 4 mètres, une grue, plusieurs professionnels. Pour moi, ça s'est bien passé, c'était très, très agréable. On s'est mis à 4 fois. On s'en prend dans le poids. Ah ben quand même. Un cheval devait apparaître, là il y en a plusieurs et j'aime bien cette idée que historiquement ça correspond, mais en plus dans la cavalcade, moi j'y vois une évocation poétique, hein, parce que c'est dans la nature de la roche que ça apparaît, c'est plus la roche qui a exprimé cette idée-là. Alors moi je l'ai aidé à l'exprimer, mais je n'ai pas véritablement formé la totalité de ce qui apparaît. Pour moi, une cavalcade, un cheval qui se dresse au milieu, c'est le symbole de la nature vivante et des individus parmi lesquels l'un, à un moment, se dresse. Pourquoi? Peut-être pour dire non, peut-être pour dire j'existe. Il faut se souvenir que ici, ce site était destiné à devenir un site d'enfouissement des déchets d'une grande ville à côté. Il s'est avéré que c'était un lieu historique, qu'une bataille s'y était déroulée. Il y avait des morts. Et moi, que je sois parisien, sri-lankais ou chinois, ça ne change rien à mon propos. Et que je sois ici en Bretagne, même si j'aime la Bretagne, beaucoup, ça fait 30 ans que j'y habite, même si ça avait été justement en Chine, au Sri Lanka ou ailleurs, il y a quand même quelque chose qui, dans mon esprit, ne convient pas, c'est d'oublier le passé, d'oublier les morts. C'est à ce titre d'ailleurs là que je suis sculpteur ici sur le terrain de Coët-Safpel pour l'association MAB. J'y ai des amis. Selon mon sens de parisien ou d'ailleurs, d'être humain, on ne construit rien en piétinant le passé. Ça n'est ni sain, ni philosophiquement adéquate. Voilà, passé, présent, futur, tout est lié. Alors on relève une pierre, on y ajoute une figure, on émet une pensée. Voilà, ça c'est un chemin c'est un chemin qui me plaît. On peut interroger le public. Voilà, moi j'interroge la pierre. C'est la marche de nos pères. Eux qui ont versé leur sang pour libérer notre terre, nous serons des résistants. Bretagne, ma terre, Protège tes enfants, Bretagne, ma mère, liberté par le sang. Bretagne, ma terre, protège nos enfants. Bretagne, ma mère, soyons tes combattants. En ces temps incertains, qu'il est bon de se retrouver ici pour inaugurer ensemble une sculpture de Nominoé, le père du pays Tad Arvro, sur l'épicentre de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier du 28 juillet 1488. Tout un symbole, car cette bataille fut le champ du signe de la Bretagne médiévale indépendante et souveraine. Alors que Nominoé fut celui qui unifia la Bretagne et vainquit les envahisseurs francs en 845 pour ouvrir une nouvelle ère d'indépendance et de rayonnement qui dura près de 7 siècles. Nominoé à Saint-Aubin-du-Cormier, c'est donc la réunion de l'alpha et de l'oméga de la Bretagne indépendante et souveraine. C'est aussi honorer le grand vainqueur sur le lieu d'une défaite, mettre un peu de baume sur une blessure. C'est également le simple projet du parc de sculpture mémoriale de Coatzacoalcos, commencé en 2003, érigé tranquillement au fil du temps des sculptures pour honorer tous nos rois et ducs qui n'ont pas actuellement la place qui leur est due dans les musées officiels d'histoire en Bretagne. Suivront Erispoé, Salin ou Salomon, Barbe-Torte, Jean IV, etc. Un musée gratuit et sans subvention de l'histoire oubliée ou interdite de Bretagne à ciel ouvert. Notre ressenti, notre histoire qui vient, je ne sais pas quoi, mais des lieux peut-être, j'en sais rien. La Bretagne, comment naît-on breton? Graal le disait, vous savez mieux que moi, par le vent, par la pluie. On a ça en nous qui vient nous frapper sans explication. Et je sens citer d'écrivains, Kefelec par exemple, que je connais bien. Bon, ça prend un jour de se sentir vraiment différent. Différent. Et voilà. Si, se sentir différent, mais accepter la différence, bien sûr, de l'autre. Mais au moins, entre nous, ben, qu'on puisse travailler ensemble. Le breton ne sait pas dire « c'est bien ce que tu fais ». On ne sait pas dire ça. On ne sait pas le dire, quoi. C'est ce problème d'arrondi. Ça reste un peu... le comportement global du breton, c'est un peu rugueux, quoi. Alors que on est des gens pudiques, je crois qu'on est des gens pudiques. Glenmore, par exemple, c'était quelqu'un de pudique, mais qui avait besoin de provoquer, d'être excessif. Voilà. Mais de temps en temps, il faut être soi-même, quoi. Il n'y a que, je crois, que comme ça, que dans la modération, dans le respect de l'autre, on peut travailler et construire. La marionnette, ça m'a sauvé la vie, Olivier. Je t'assure. Je suis parti au Bénin et que j'ai été initié là-bas, moi. Donc pour moi, c'est les vrais esprits. Là, tiens, la cune, là, c'est un pirate parce qu'on est là, on est sur le terrain, j'aurais pu avoir mes bretonnes et tout. Et moi, je suis d'inspiration africaine, regarde. Quelle langue tu leur parles? À celle-là, je leur parle en français. Les marionnettes bretonnes, je leur parle en breton. Parce que j'ai tout un spectacle qui s'appelle Histoire à Loire, qui joue en Castellet, c'est le théâtre des marionnettes, où on ne voit pas le marionnettiste, on ne me voit pas. Je suis derrière, il y a un joli décor. D'ailleurs, le décor, Olivier, a été peint par Marc Simon, le même sculpteur qui a fait Nominoé. Et c'est un décor magnifique, c'est un vrai tableau. C'est un triptyque. On a représenté la maison où je suis né, on a représenté la maison où j'habite. Il y a même le cercle de pierre avec Anne de Bretagne, une forêt. À l'intérieur, il y a un renard qu'on ne voit pas. Le premier couple que j'ai fait, Job et Marie Vonick. J'ai fait un couple de Bretons, tu vois, qui sont comme celui-là, mais c'est deux marionnettes l'une à côté de l'autre et qui dansent en même temps. Donc j'ai qu'un contrôle pour deux marionnettes. Là, ça fait 1,2 kg, 1,3 kg. Et les marionnettes dansent en même temps. Et la création, je l'ai faite ici. Et quand je les ai emmenés à la maison, raccrochés à la poutre, je les ai regardés, je leur ai dit, bon, aujourd'hui vous avez joué. Ça y est, vous êtes nés. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez me donner à moi? Et je t'assure, j'ai vu sortir du chapeau de Job et de la coiffe de Marie-Vonne tout le spectacle qui se mettait, chacun d'un côté, tu vois. Et je voyais, mais dans l'espace, je voyais des Bretons de partout, habillés en habits, pas en jean et en survêt, quoi. Et je les ai tous vus comme ça. Et elles m'ont dit, tu sais nous sculpter, tu sais nous habiller, tu sais nous peindre, tu sais nous manipuler, tu sais raconter les histoires. Mais si tu fais ça comme ça, il faut que tu le fasses en breton, il ne faut pas le faire en français. Le lendemain, je suis allé m'inscrire à School and Sound. Je suis parti en formation 6 mois, tous les jours. Je descendais à Rennes, je prenais le bus. Mais le spectacle, je l'ai créé tout en breton. C'est-à-dire, il n'a pas été écrit en français, en fait. Je l'ai écrit en breton. Je l'ai créé dans une école à Vitré. Et quand j'ai répété chez moi, je me suis dit, ah, français, ça va être facile. Mais ça n'a pas été si facile que ça, parce qu'il a fallu que je revoie tout ce que j'avais écrit. Parce que quand je le fais en breton, quand le chien, parce qu'il y a deux couples de bretons, il y a Job et Marie Vonick qui sont séparés pour pouvoir jouer, il y a le dernier couple qui arrive pour pouvoir jouer, il y a un chien qui s'appelle Gwenadu Ahri. Gwenadu, c'est un chien, c'est un basset breton, avec les hermines sur les oreilles, les 9 pays sur la queue, et noir et blanc, comme les vaches. Quand le chien arrivait, quand je répétais, quand il se présente en breton, il dit « Gwenadu Ahri Maono ». Et en français, quand j'ai commencé à le faire en français, quand j'arrivais avec le chien dans le Castellet, et je faisais « Gwenadu le chien et mon nom ». Et là, j'avais la marionnette qui s'est arrêtée et je me disais, mais je parle pas comme ça en français, quoi. Tu dis pas Eric est mon nom mignon. Je m'appelle Eric. Donc il a fallu que je refasse une adaptation de certaines choses. Mais quand je le joue en français, il y a toujours du breton dedans. Toujours. Parce qu'il y a des personnages qui... Ça sort comme ça. Ça sort comme ça. Après, ça m'est arrivé de me dire, merde, ils ne comprennent pas le breton en face. C'est pas grave. Et j'ai testé sur des amis béninois en France. Je leur ai fait tout le spectacle en breton. Ils m'ont dit, tonton, on ne comprend pas ce que vous dites, mais l'histoire, on la comprend. Donc pour les enfants, tu vois, que ce soit le Diwan ou du Yazek, tout en breton, ça passe. On va demander maintenant au sponsor et à son épouse peut-être de bien vouloir dévoiler l'œuvre pendant que nos amis interprètent un morceau en l'honneur de Nominoé. Ah bon? Elle est PA. Bon, les trois, on laisse le sculpteur et... Ah oui. Et puis... Marc, derrière. Oui, derrière. Alors, on va échauffer votre voix un peu. Nominoé! Ohé! Nominoé! Ohé! Nominoé! Ohé! Voilà. Bon, je m'étais chez. suis d'origine donc malouine, mais mon père est d'origine lorientaise. Donc pour moi, la Bretagne, c'était la musique avant tout. Hein, voilà, avec le bagad qui cangrogne. Pendant mes vacances d'été, j'allais bien sûr au Festival interceltique puisqu'on prenait nos vacances à Lorient. Et puis voilà, pour moi, c'était ça. Et jusqu'au jour où, en première, au lycée Jacques Cartier de Saint-Malo, on m'a proposé le breton. Donc j'en ai parlé à mes parents, c'était la pleine période du FLB, donc mon père n'était pas très pour, mais son frère aîné a dit « si, on parle plus breton depuis 2 générations, laisse-le faire, c'est pas parce qu'il va apprendre le breton qu'il va devenir un terroriste ». Et puis voilà, je suis tombé sur un ancien professeur d'anglais, qui avait un nom prédestiné puisqu'il s'appelait Quintel, donc qui veut dire leçon en breton, et qui nous a enseigné non seulement la langue bretonne, mais l'histoire de la Bretagne. Et c'est là que j'ai pris conscience que, voilà, on ne nous parlait pas de tout. Hein, et je suis tombé amoureux de mon propre pays. Je ne suis pas du tout historien, mais connaissant un peu l'histoire de la Bretagne, je me suis dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse une belle statue, parce que vraiment, c'est le père de la patrie. Hein, donc j'en ai parlé à Jean-Loup, le CUF, et puis j'ai fait une rencontre qui m'a énormément aidé et impressionné, c'est Jean-Luc Laquitant, historien sur le pays de Redon. Avec qui donc on a beaucoup partagé et grâce à lui j'ai eu pas mal de précisions sur la façon dont Nominoé et ses troupes ont remporté les 3 fameuses batailles et tous ces détails ont été retranscrits par notre sculpteur Marc Simon sur cette statue. On a voulu que le visiteur qui ne connaît pas l'histoire du roi s'imagine, grâce aux détails qui sont figés sur la statue, qui s'imagine un peu l'histoire du personnage. C'est la marche de nos pères, eux de vaillants combattants, buste droit le regard fier, allant toujours de l'avant. Bretagne, ma terre, protège tes enfants. Bretagne, ma mère, liberté par le sang. Bretagne, ma terre, protège nos enfants. Bretagne, ma mère, soyons tes combattants. La défaite de 1488 n'est pas du tout la mort de la Bretagne, puisque la Bretagne, on peut le voir aujourd'hui, est quand même très vivante. Et donc notre présence était indispensable. Alors est-ce que le mémorial de Bains-sur-Ouse a tenu sa promesse? Est-ce qu'il est visité? Comment est-ce que le public l'a... Oui, c'est un mémorial qui surprend d'abord, parce que les voitures qui passent sur la route d'à côté, les gens se demandent ce que c'est. Si rien que ça, c'est gagné, quoi, puisque les gens s'interrogent et donc se renseignent. On a juste loupé le Tour de France, parce que l'hélicoptère devait filmer le mémorial et il s'est passé une grève des coureurs juste à ce moment-là, et on a loupé. Mais le mémorial, effectivement, comme tu le demandes, est régulièrement visité. En témoigne notre secrétaire qui habite à la bataille. Il y a régulièrement des voitures qui s'arrêtent. Et se posent la question et lisent les textes, donc ça c'est formidable, quoi. Le Tour de France qui est stoppé devant la statue de Nominoé, c'est quand même un beau symbole. Oui, un peu plus loin, donc mais c'est un beau symbole. Et c'est vrai que les coureurs, quand ils sont passés devant, on voyait bien, ils s'interrogeaient, ils tournaient la tête, quoi. C'est pas souvent le cas. On a l'impression que la figure de Nominoé émerge pendant ce 21e siècle. On est oui, plus en parler, oui, mais c'est en fait, on aura atteint notre but si les gens s'y intéressent. Et c'est vrai qu'au XXIe siècle, les trois quarts des Bretons ignorent leur histoire, et ça, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Mais des actions comme aujourd'hui permettent aussi aux Bretons de voir qu'il s'est passé quelque chose, hein, et de s'y intéresser. Ça, c'est formidable. Et si nous en sommes des acteurs, on ne peut qu'en être que fiers. Hein, hein. Merci en tout cas. Ouais. Et bravo. Non. De nos ancêtres, nos pères, avons reçu en présent de terribles caractères, et jamais rien de lâchant. Bretagne, ma terre, protège nos enfants. Bretagne, ma mère, liberté par le sang. Bretagne, ma terre, protège tes enfants. Bretagne, ma mère, soyons tes combattants. C'est au son des cornemuses que demain nous tomberons. Toi, notre terre, notre muse, liberté te donnerons. Bretagne, ma terre, protège tes enfants. Bretagne, ma mère, liberté par le sang. Bretagne, ma terre, protège nos enfants. Bretagne, ma mère, soyons tes combattants. Soyons tes combattants.